saluer la presse en général, télévisée par l'écrit et les réseaux sociaux. C'est un réel plaisir pour nous là aujourd'hui, dans le cadre de la conférence pour la presse. Nous voyons un gros coup de chapeau pour le peuple haïtien, lui-même qui, malgré vents et marées, qui est toujours là, malgré les problèmes qu'il a traversé, est toujours prêt pour le supporter et prêt aussi pour porter une orientation et un changement dans les conditions de vie. Nous, c'est MEPS, Mouvement des étudiants et professionnels de la santé. Nous, là, matin, c'est pour nous capables d'attirer l'attention du peuple haïtien sous conditions sanitaires. Nous, là, également, pour nous capables de faire voir un projecteur sous façon nous et le système santé nous a fonctionné dans le pays. Nous, là, également, pour nous capables de relayer, pour nous capables de sonner sonnette d'alarme dans les oreilles de l'État pays d'Haïti. Il y a un État qui, de jour en jour, a mal fonctionné. Il y a un État qui, de jour en jour, qui n'a pas considéré la santé de la population. Nous-mêmes, comme professionnels et étudiants en sciences de la santé, nous arrivons dans un moment, nous c'est trop à tort. Nous arrivons dans une situation où nous ne sommes pas capables de tolérer les conditions de santé des haïtiens. C'est une raison ça, nous-mêmes, en tant que membres du MEPS, nous levons camper, nous prenons chimé la presse parce que nous connaissons seulement moi et ça, côté que il y a quatre ans de voir nous. Nous venons pour nous dire que la façon que il y a traité la population, façon que, eh bien, yo voulez bailler la population la santé dans le pays, nous dit li inacceptable. Nous connaissons le droit à la santé. C'est un droit qui que constitution garantit nous. Et bien nous même en tant que étudiants et professionnels de la santé, nous là pour nous faire population prendre conscience qu'on est que droit pour la santé et c'est pas un bagage qui a fait le cadeau, mais c'est un bagage, c'est un droit que constitution bali. Nous là, je dis là pour nous dire non. Les nous garder dans condition et condition l'hôpital nous yoyé. Là nous garder l'opparet dans l'hôpital public yo façon y a recevoir moun qui malade. Là nous garder état et salubrité l'hôpital yo nous dit c'est révoltant. Nous dit c'est inacceptable pour moun a fonctionner dans situation ça. Là nous garder lorsque eh bien dirigeant nous yo yo gen problème. Les nous garder lorsque famille yo petite yo malade yo pas prend chimé l'hôpital public yo et bien c'est à l'étranger y aller comme ça nous mêmes qui dans masse là nous mêmes qui c'est étudiant qui c'est professionnel de la santé nous dit non nous pas ca tolérer genre de situation ça. La santé c'est quelque chose qui est extrêmement important pour survie en population. Un peuple qui pas en santé c'est un peuple qui pas ca fonctionner normalement. Un peuple qui pas en santé, c'est un peuple, eh bien, force de travail a diminué. Il y a un peuple qui n'est pas en santé. C'est un peuple qui n'est pas capable de rendement dans l'activité qu'il a fait pour aider le pays le marché. Comme ça, nous-mêmes, nous disons, l'État doit prendre engagement, l'État doit prendre responsabilité, il doit mettre en place bon gens politique publique dans le niveau santé pour que la population haïtienne, la population panouan, capable de rejoindre un petit bout de la santé. Pour les gens qui sont plus éloignés dans le pays, les gens qui ont dit qu'ils sont en dehors, les gens qui ont dit qu'ils sont paysans, ils ont même tout, ils ont le droit pour jouer un bon gens soin à la santé. Les considérer les gens malades en dehors, ça nous est les provinciaux, nous avons des tribulations, des trajets, des difficultés qui gagnent pour qu'ils soient capables de vivre, jouer un centre de santé pour les petits. Et il y a des côtés qui ne peuvent même gagner. Donc, comme ça, nous dit que nous ne pouvons pas accepter. Nous-mêmes, nous avons un secteur santé. C'est un secteur qui est vraiment négligé. C'est un secteur côté que les dirigeants, nous, alors politiciens, les gens qui sont dans le domaine de la santé, les gens qui ont occupé la plus grande place dans le domaine de la santé, pas fait cas de lui. Et bien, nous-mêmes, nous disons non, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous regardons l'État, l'hôpital général, qui est le plus grand hôpital que nous avons dans le pays. Donc, nous sommes inacceptables, inadmissibles. Pour que nous-mêmes, en tant que
étudiants qui sont dans le domaine de la santé et professionnels également pour nous accepter la question. C'est ça que fait. Je dis à la, nous venons, nous prenons les routes médias, parce que nous connaissons là où nous avons nous, pour nous dire non, pour nous dire nous bouquons avec la façon de traiter les peuples haïtiens dans le domaine de la santé. Nous connaissons tout le domaine qui a mal marché, mais au moins, le secteur sanitaire là, l'État font pencher sous lui. Parce que tout pays dans le monde entier qui va avoir un bon système de santé, c'est pays ça va pas développer, pays ça va pas marcher. Si moun yo va pas apprendre bien l'école et moun ka travaille dans factory yo, yo va pas gagner force pour travailler parce que sous pas en santé, quel que soit niveau santé a, ou pas ka bay bon rendement. Mouvement des étudiants et professionnels en sciences de la santé. Nous condamnons avec toute force nous, avec toute énergie nous, comportement l'État haïtien gagne face à la population dans ça qui gagne ouais avec santé. Nabdi, nous avons un système de santé qui n'a aucune importance dans le pays d'Haïti. Ce qui signifie que l'État, l'autorité de nous est responsable de la société civile par rapport à la charge. Nous avons un système de santé qui constitue de trois grands piliers. L'un des trois grands piliers, nous avons un professionnel de santé, nous avons l'hôpital et puis l'infrastructure ou bien logistique qui doit être dans l'hôpital. Pour les professionnels, nous gardons en Haïti sous chaque 50 lits, lundi 50 lits, sous chaque patient, vous avez gagné un pharmacien, un docteur, un infirmier et un auxiliaire qui est disponible. Nous gardons en Haïti un pharmacien pour 80 000 habitants. Vous avez un côté qui va même gagner un pharmacien. Donc, le département centre, plateau central, département ça, qui a un grand hôpital, qui a plusieurs hôpitaux, même pas un pharmacien qui est disponible à temps pour servir la population. Ou bien le département nord-ouest, qui est un grand département encore, qui a un seul pharmacien qui est disponible pour la population. Ou bien le département nord, qui est encore sous la même cause. Dans ce sens, nous-mêmes, comme étudiants, nous-mêmes, comme professionnels, nous prenons engagement pour nous dénoncer avec toute force nous comportement de l'État haïtien. Nous avons gardé encore le budget santé. Pour 2018-2019, le budget santé a été évalué, il représentait 7%. Dans les ressources budgétaires du pays. Nous avons demandé avec l'État haïtien pour augmenter le budget. Nous avons constaté, nous avons compris le budget. Nous avons un budget qui allait seulement pour payer les employés. Pas de centre de santé qui crée, pas de l'hôpital qui crée, pas de nouvelle infrastructure qui fait dans l'hôpital, pas de aucune logistique qui fait au moins pour la population être capable de joindre bon gens à soignage. Nous avons condamné à toute force encore la question des médicaments dans la rue. Actuellement, nous avons un grand fléau qui a fait dans le pays d'Haïti. Côté Saint-Marc, Okaï, même pas au prince dans certains hôpitaux, il y a des gens qui mourent à cause qui a utilisé faux médicaments. Nous avons signalé l'hôpital dans la capitale là, que nous pas citer non, il y a des gens qui mourent à cause qu'elle t'a pris phénobarbital. Alors que le médicament que le médecin t'a prescrit là, c'était un isoniazide, alors que qui médicament que t'a balé comme isoniazide, c'est un phénobarbital. Donc dans ce sens, nous-mêmes, nous disons faut que l'État haïtien, faut que la santé publique en soi commence à prendre des grandes responsabilités pour contrôler les questions faux médicaments. Et regardez, actuellement en Haïti, les médicaments viennent en coup pistache. Côté dans tout bus, dans tout coin de rue, tout côté où est ce médicament qui a poussé en coup de jonjon. Où est pharmacie, où est tout bagaille, tout boutique, la santé a vint tourner, il y a une marchandise pour payer. Mais ça qui m'était capable de signaler encore nous-mêmes, MEPS, nous avons des représentants du secteur sanitaire qui ont rempli de gros postes dans le pays d'Haïti. Nous avons gardé dans le pouvoir Jovenel Moïse là, nous avons Jacques Guy Lafontaine, qui est un docteur qui n'a pas réglé pour le système de santé. Nous avons dans le Sénat, le président de l'Assemblée nationale, qui est docteur Cantave, qui n'a pas réglé rien encore pour le système de santé. Et nous avons dans le cabinet Jovenel Moïse, nous avons dans Oumdorville encore, qui est chef cabinet et président Jovenel Moïse, qui n'a pas réglé rien pour le secteur. Donc, nous avons demandé à l'État haïtien, surtout organismes de défense des droits humains, tant que RNDDH, OPS, OMS, tout organisme pour au moins faire un plaidoyer pour dire à l'État haïtien, à tout le monde que nous-mêmes nous avons droit à la santé, la population, il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils aient un bon genre sur l'assurance pour être capable d'évoluer. Il y a deux axes que l'État a dû attaquer. Le premier axe, il faut attaquer l'hôpital public. L'hôpital public, ce n'est pas un bâtiment seulement, mais c'est mettre bon genre infrastructure, bon genre matériel, bon genre conditions pour les professionnels de travail. Tant que docteur, pharmacien, infirmière, auxiliaire, avec tout le monde encore qui est entré dans le système. Là. Deuxième bagage encore, il faut que l'État, lui-même, fasse une politique de santé qui est basée sur la qualité des soins. L'un des politiques de santé qui est basée sur la qualité des soins, il faut qu'il y ait une synergie avec les professionnels de santé. Ce qui signifie que docteur n'a pas qu'à travailler pour contre lui.
pharmacien va travailler pour côté, infirmière va travailler pour côté. C'est entre eux qui travaillent ensemble, au moins, pour être capable de gagner un bon résultat pour le patient. Et en plus, faut que l'État tout pense sur la formation académique que nous avons. Parce que nous regardons en Haïti, l'université, les universités d'État qui gagnent la faculté de médecine à la pharmacie avec l'école de biologie médicale. Donc nous voulons pour l'État pencher sur la formation. Ou bien l'école infirmière qui est dans tout le pays, il faut l'État penser sur la qualité de formation qui a bâti Mounsayo. Il faut l'État pencher tout sur la faculté de médecine qui a poussé dans le pays. Donc nous pensons automatiquement que l'État lui-même lui penche sur la formation académique, lui penche sur construction de l'hôpital avec bon genre d'infrastructure sanitaire. Donc là, ça nous capable de dire au moins nous faire un bon pas pour le peuple capable de venir un bon genre de soignage.